toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 8 sur le scénario de Aline dans Alone in the Dark, The New Nightmare. La dernière fois on s'était laissé après avoir réussi à rentrer dans le fameux monde des ténèbres, hein, où Aline, pareil, a imposé sa présence à tous les autochtones de la zone, hein, qui apparemment n'ont juste aucune envie à cette heure-ci, j'ai l'impression, c'est de s'enfuir quand ils ont vu Aline arriver. Alan apparemment a atteint... Alan est parti dans le monde des ténèbres dégager une espèce de... dégager la dernière statue qu'il faut pour arrêter tout ce bordel. Et écoutez, je pense que c'est tout. Hein. Ah oui, on avait atteint une espèce de pièce, je sais pas si vous vous souvenez, en haut d'une espèce de grande pyramide là. Enfin une pyramide ou je sais pas quoi. Et il fallait qu'on arrive à récupérer, je crois bien, c'est ça là. Attendez. Ça là, vous voyez ? Espèce de triangle. Et il y a une amulette de sauvegarde. Donc bon bah écoutez, on y va. Hein. Alors, je présume que les fameuses pierres qu'on a récupérées la dernière fois vont sur ces charmants petits... Sur ces charmantes pierres. Alors écoutez, on va regarder. Celle-là, c'était quoi? Un espèce de... Je sais pas quoi. Attendez, on va regarder. Inventaire. Alors, examiner une tête de bison, c'est pas ça. Ça représente une tête de taureau. Non. Ça représente une tête de serpent. Alors, attendez, je les regarde toutes. Ça représente une tête de poisson. Ça, je suis là, je sais où il va. Tête de cheval. Je crois que c'est celui-là en plus. Attendez. Hey. Placez le seau. Ouais. Jackpot. Celui-là. On dirait une tête de serpent un peu. Donc écoutez. J'ai... Terminé. Représente un serpent. Voilà. Ensuite, voyons voir, ça c'est quoi? Un ours. Examiner. Non. Un taureau, non. Voilà, un ours. On a placé le zoo, j'espère que c'est ce que c'est. J'espère que c'est ça. Ça c'est un taureau à mon avis. Ah non, apparemment c'était pas ça. Alors ça doit être celui-là, j'imagine. Ah bah voilà. Vous placez le seau du taureau, machin. Celui-là, c'est lequel? La poisson. Voilà. On place le seau, et ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Objet. Et voilà! Et maintenant... Vous voyez que ça sert de lire les notes et de faire attention aussi, hein? D'ailleurs, au fait, j'ai oublié de... seconde annonce, hein. Je pense que le lore fou que je vais faire sur Alone in the Dark, ce sera avec la... je vous ferai aussi une présentation... Enfin, je vous expliquerai les noms et origines aussi des ennemis et puis des personnages, hein. Que tout le monde y comprenne quelque chose. Alors, qu'est-ce que t'as de beau? Vous prenez une pyramide de pierre. Oui. Une amulette de sauvegarde. Maintenant, on est reparti. Ah oui, aussi, l'épisode précédent, c'était Love in the Dark. Pardon, j'oubliais. Allez, Aline. Ah. Les chiens sont toujours là. Bon, là, on va courir jusqu'à la...
la pyramide. Je sais pas, mais je sens que c'est le dernier épisode pour Aline, ça. Allez, Aline. Petit virage. Je me suis raté, excusez-moi. Aline n'a pas la direction assistée. Et je pense qu'après le lore fou fait sur Alone in the Dark, bah je vous ferai le lore fou sur Marchand Gothic. Qui je pense sera une bonne idée parce que vu le tas de données qu'il y a dans le jeu aussi, c'est catastrophique. Au moins comme ça tout le monde y comprendra quelque chose. Allez Aline. Petit virage. Alors, ouais, c'était là. Oui, le tronqué, machin, hop. Tiens. Oh oh, vous prenez une tête de statue. Ok. Guerrière, tu es vaillante. J'aime que les enfants de la lumière soient emplis de courage. Prends cette amulette, car tu as encore beaucoup de combats à mener. Et moi, Hécaton Kyrès, je te souhaite la victoire. Ok. Bon, apparemment, on a Hécaton Kyr, le Big Daddy des dieux, là, hein. Pardon. Je disais donc, on a Hécaton Kyr, Hécaton Kyrès, le Big Daddy des dieux. Bah écoutez, il vient de nous dire qu'il est avec nous là. Hein? Donc apparemment, écoutez, on devrait. Normalement, on devrait pouvoir s'en sortir. Objet, tête de statue. Ok, examiné. Tête de statue à Dienne en pierre. Donc, je pense que nous pouvons repartir en arrière. Que je ne vois pas d'autre endroit où aller. Eh, c'est stylé avec la lumière et tout. Ouais. Je crois que les monstres là en bas ils sont en train de se dire putain, ils ont lâché de bombe nucléaire. On dit même plus rien. D'un côté, il fait toujours aussi nuit. Hein. Oui, je repars parce que franchement, je n'ai plus du tout d'idée pour ce qu'il y a à faire là. Donc écoutez, on se casse. Hein. Ouais, c'était par là. Ah non. Reste au sol, le chien. Vous avez vu la fantasme que je viens de lui mettre? Pas Thierry. Ah, apparemment, Thierry a évacué les lieux. Donc normalement, on peut se casser, là, si j'ai bien compris. C'est ça? Et oui. Normalement, on peut s'en aller, là. Ah non. Oh oh. Edouard? Gambi? Non. Edouard a... Donc comme ça, je vous dis, je vous expliquerai les noms des ennemis qu'on rencontre et puis tout ce qui est, comment vous dire, l'or et tout. Oh non. Ça c'est Alice. Elle est où? Alice a été cuite à point. On est où là? On est dans un volcan, on dirait. Oui, alors Aline, reste pas trop longtemps là parce que j'ai l'impression que tu vas cuire. Alice a tenté de nous imposer sa présence, mais on l'a remis en place.
Oula, désolé, j'ai eu une crampe dans la main. J'ai failli me faire manger. Y'a quoi là? Cut quick. Faut qu'on aille où là? Ah putain. Là. Aline, elle a. Enfin, pas Aline. Alice a pas compris que on. C'était nous la. La force de destruction massive envoyée. D'ailleurs, Edouard, il est où au fait? Parce que Edouard, on le voit plus là. Oh putain, mais. Elle est où? Oui. Mais entre autres. C'est rien. Ah bah c'était par là. Voilà. La suite s'il vous plaît. Ouais d'accord. Donc, faut... Oh. Vous avez vu? La fintasse qu'il a essayé de me mettre? Salaud! Eh, je me tire. Ok. Par là. Oui. Vous avez vu les salauds? Ils jettent. Ils jettent les salauds. Regardez! Ok. Il est où? Non, on est où là? On va où? Je sens le boss là pour vous. Je sais pas pourquoi, mais je sens le boss. Donc écoutez, on va refaire le plein de cristal. Hein. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une petite amulette de sauvegarde. Comme ça, hein, on va se poser, on va attendre. On va se mettre sur l'extérieur plutôt. Là, voilà. Edouard. Gambi? Edouard il répond plus. Moi je voudrais faire le plein. Ah bah parfait. Allez, 78 c'est bien. Allez on y va. Thierry dégage. Tirer en train de pop. Putain naturel, le liquide ressemble à de l'eau mais les phosphores ça. Vous voulez vous remplir votre gourde? Oui. Objet. Ah, c'est un kit de soins en fait. Sauf que celui-là il est rechargeable. Bah écoutez, hein. Oui. On y va. Tu recules.
On est en train de se faire agresser par tout le quartier, là, ça me saoule. Allez, bois un coup, Aline. Voilà. Qu'après avoir fait mes deux Lord Fru, je ferai un Wolf Fru sur je sais pas si vous codez, je pense c'est un jeu qui mélange à la fois Resident Evil et Silent Hill Tormented Souls. Là pareil, je pense que ça sera pas mal. Alors par là. Apparemment, Alan vient de faire une méga connerie, vient de laisser tomber la statuette dans le vide. Putain, mais quel con ce mec. Ah, attendez. Par là, je présume. Non. Dehors. J'ai vu Alan, j'ai pas pu l'arrêter. Je ne veux pas que vous vous interposiez. Alan est un individu dangereux, il est capable du pire. Je comprends pas pourquoi il m'a laissé la vie sauve dans le manoir. Sans doute vous a-t-il sous-estimé. Comme vous. Je dois avouer que votre courage et votre ténacité me surprennent. Si la vie nous en laisse le temps, j'aimerais que vous me surpreniez différemment. Que voulez-vous dire? Je suis sûr que vous avez d'autres qualités. Sûrement pas celles que vous attendez d'une femme. Carmi, je viens d'avoir Johnson. Quelle ordure. Je sais, mais c'est notre seule chance de salut. Ah bon? Carmi? On va regarder ce qu'Aline a à nous dire, parce que moi perso j'ai pas vu de discussion avec Johnson. Hein. Alors. Et vu Alan, il a. Les vivants désormais un peu. Ah oui, alors ça c'était le blab. Le dieu des dieux s'est adressé à moi. Je rêve. Ouais. Et vu Alan, il a lancé une corde dans l'abîme et est descendu en direction des niveaux inférieurs. Il faut que je le rattrape. Ok. Faut qu'on fasse le chemin inverse. À l'assaut. Oui, alors la vieille drague à deux balles de Edouard, franchement zéro. Dans l'épisode précédent, nous ne savions pas si Edouard allait avouer ses sentiments à Aline. Va-t-il le faire aujourd'hui? La suite de votre épisode dans Love in the Dark. Et ça serait une putain d'idée d'émission quand même. Allez, on se tire, hein. Tire, il vient à la charge. Thierry, dégage. Casse-toi, Thierry, casse-toi. Thierry, cul à point. Deux, pardon. Thierry, tu vas attendre 2 minutes. Je refais plein de vie. Voilà, merci. Oui. Allez, deuxième cerveau. Voilà. On est bien. Allez, on se casse. Quoique. Attendez. Je sais pas ce qu'il tente de me faire là. Regardez, vous avez vu les petites fringues qu'il met? Alors, vraiment il est très bien. Là, je vois la carte, ça y est.
le sac d'Alan Morton. Oui. Objet. Examiner. Un havresac appartenant à Alan Morton. C'était quoi? On a gagné un sac. Bon bah écoutez, on y va hein. Alan, t'es où? Si j'avais le temps, je vous féliciterais pour votre courage. Mais il est trop tard, pour vous comme pour tous les autres. Plus rien ne peut désormais m'arrêter. Regarde! Regarde ce que tu as fait à ton frère! Obed? Mais... Apkani, elle représente un aigle, ok. Gambi, ça y est, je la tiens. Vite, remontez, c'est l'enfer par ici. Je peux pas remonter, il faut que je trouve un autre chemin. Allez-y, nous nous retrouverons plus haut. Mais, je ne peux pas. Mais bon sang, allez-y, je vous dis. Ok. Ok, bon, écoutez, on va voir, hein. Carnet. Carnet, attendez, vu Alan lancer une corde, ok. Carnby et Bois avons piégé Alan, mais Obed, en tout cas ce qu'il en reste, a surgi et est tombé avec Alan dans l'abîme. Alan a lâché sa statuette sur un surplomb inférieur, je dois aller la récupérer, ok. Bah, comme ça c'est dit, hein. Edouard, t'as un autre commentaire? Carnby? Non, apparemment on n'a pas d'autres commentaires. On va en avant. À l'attaque. YOLO! C'était quoi ce bruit? C'est quoi de ça? J'ignorais que les Apkani embaumaient leur mort. Quelle découverte! D'accord. Ah, Alice a tenté de m'imposer sa présence encore une fois. Elle lâche pas l'affaire, hein. Comment osez-vous? Je viens juste d'avoir Carnby. Alors vous êtes une sacrée belle ordure. Me faire croire qu'Obed Morton était mon père? Je n'avais pas le choix. Lamb voulait absolument que vous vous rendiez sur Shadow Island. Au départ, je pensais que c'était pour les tablettes, mais je me suis rendu compte que son seul objectif était de vous éliminer, vous et Carnby. Parce que vous étiez les deux dernières personnes susceptibles de se mettre en travers de son chemin. Les traductions, Obed Morton les lui aurait fournies de toute façon. Mais la photo! Un simple montage. Merde. C'est quoi votre boulot exactement? Je travaille pour le gouvernement. J'étais chargé d'infiltrer l'organisation de Lamb. Mais apparemment, ma couverture a sauté et j'ai ses tueurs à mes trousses. Écoutez, ce n'est facile pour personne. Je vous ai manipulé en ayant moi-même été manipulé. Tout ce que je peux vous dire est que je le regrette. Maintenant, il va falloir que vous me fassiez confiance. J'essaie de venir vous tirer de cet enfer dans une heure ou deux. D'ici là, tenez le coup. J'ai vraiment pas besoin de vous. Terminé. Bon bah apparemment, Lamb en fait nous a envoyé... on a pris un aller simple pour Shadow Island. Il n'y avait pas de retour dans l'option. Et apparemment, notre cher Monsieur Johnson, ben là, il est dans la merde lui aussi parce que ben...
travaillait pour le gouvernement et le en fait bah du coup il s'est fait griller et du coup bah il va y passer. Apparemment on doit tenir une heure ou deux et on va se faire récupérer. Voilà. En fait du coup bah Aline, c'est Aline. C'est juste Aline, voilà. Bon allez on y va. Bref, passons. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi de ça? Eww. Ouais. On va vers où? Aller par là. On est où là? J'aime pas la musique. Carnby! Carnby, je viens d'avoir Johnson. Quelle ordure! Je sais, mais c'est notre seule chance de salut. Devoir compter sur quelqu'un comme lui, ça me dégoûte. Malheureusement, nous n'aurons pas le luxe de choisir notre sauveur. Vous croyez qu'il va nous tuer? C'est vrai que nous en savons un peu trop pour mener une vie tranquille. Que voulez-vous dire? Que votre vie a radicalement changé le jour où vous avez accepté cette mission. Je comprends pas. Je vous dis simplement qu'il faut vous faire à l'idée d'abandonner votre vie actuelle. Nous allons devoir disparaître, changer d'identité. Je suis désolé pour vous. Et qu'est-ce que j'y gagne? Un ami. C'est beau l'amitié. Bref. Oh oh, non, non. Bon, on va refaire le plein parce que je suis un peu à dèche. Voilà. On est où là? Coucou, il est grillé. ouais, mais alors maintenant on va où? C'est de l'eau où on est? Peut-être aller vers là-bas. C'est pas vers où on va. J'avance au pif total. C'est la sortie, pitié. Est-ce que c'est la sortie? Est-ce que c'est la sortie? Aline, c'est Johnson. Bon Dieu, Johnson! Si vous êtes du gouvernement, alertez vos supérieurs! Faites intervenir l'armée! Faites quelque chose! Je ne peux pas. Je n'ai plus aucun pouvoir. L'arme m'a grillé. Carnby m'a dit que l'arme avait la traduction. Vous comprenez sans doute ce que cela signifie. Oui. Ça veut dire qu'il a les moyens d'ouvrir la porte des ténèbres. Les portes des ténèbres. J'ai découvert que l'arme avait repéré deux autres portes. Oh non, c'est pas vrai. Dites-moi que ce n'est pas vrai! Le pilote de l'hélicoptère m'assure que nous serons là avant le lever du jour. Je vous en prie, ne lâchez pas le morceau. Je tiens bien trop à vous casser la gueule pour tout laisser tomber maintenant. Ouais, Aline, va lui péter les dents. Va péter la gueule au mec qui est en train d'essayer de te de récupérer. Et du coup, c'est vraiment la merde de chez merde parce que apparemment Monsieur Lamb, il a l'emplacement de deux autres portes. Donc, on est vraiment dans la merde là. YOLO! Ah! Putain! Saloperie! On va par où du coup? Hein?
Non, je sais où ça va. Faut aller. Oh, faut aller. Thierry, casse-toi. Merci. Je suis sûr que c'est par là. J'aime pas la musique, elle s'énerve. Et je sens, je sais pas, mais ça sent le boss de fin. Donc écoutez, on va s'équiper en conséquence. Hein. On va recharger tout de suite. Apparemment, Obed a repris entre guillemets le contrôle et puis bah du coup il s'est il a repris le. En fait il s'est sacrifié pour nous empêcher les bestioles de passer. Aline, t'as un mot à dire? Camby, je viens d'avoir Johnson. Il m'a dit qu'il existe d'autres portes des ténèbres. Cette folie n'aura donc jamais de fin. Une telle histoire ne peut pas se finir si vite. La seule question qui se pose est. Est-ce que vous êtes prête à poursuivre la lutte? Avec vous? Oui. Je suis prête. Ouais. Donc du coup, Aline, maintenant, elle est en mode vénère. Elle va aller péter des dents. Alors par là. Par là. Et on est où, là? Ok.
regardez, chez où elle va l'autre. Regardez. Voilà. C'est la tête. Ah. J'ai la statuette. Tout va s'effondrer. Courez. On court, on s'enfuit, vite. J'ai aperçu un hélicoptère sur la grève ouest. Dépêchez-vous, il nous reste très peu de temps avant que le soleil ne soit complètement levé. Mais et vous ? Je peux désormais accomplir mon destin grâce à vous. Soyez-en remerciés. Allez ! Vous l'avez pas volé. Géologue spécialisé dans ce que les scientifiques appellent la tectonique des plaques. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui s'est passé ? Shadow Island se trouvait apparemment sur le point névralgique d'une micro-faille. Cette faille s'est brusquement élargie d'une dizaine de mètres et l'île a littéralement coulé. Mademoiselle Wallace, vous pouvez envoyer sa petite récompense à Fishburne. C'est le win! Yes! Bon bah du coup, enfin Aline a pu se barrer. Mais c'est toujours pas qui c'est son père. On a Obed qui a joué, qui a fait un dernier baroud d'honneur avant de mourir. Apparemment l'homme il connaît deux autres portes. Donc on est vraiment dans la mousse parce qu'il faut les statues, je crois qu'on les refermer. Et on les a plus, donc ça craint. Maintenant, bah, du coup, Aline va être obligée de se cacher parce que bah, sinon ça va être la catastrophe. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je pense vous refaire à leur. Donc, du coup, le fameux leur fou dont je parlais, ce sera leur fou, donc. Version 4K, 1980, vraiment tout au maximum, que ça soit classe. Et dans les deux runs que je ferai sur la version PC, je vous ferai je vous ferai tout ce qui est présentation des ennemis, leur background, leur personnage, tout quoi. Ce sera vraiment des runs axés sur tout ce qui est leur. Je vais faire un run sur Alien Zeda et après je partirai sur ma chaîne graphique. Et je pense que après tout ceci, je partirai sur. Je pense que je vous présenterai ces Tormented Souls. Parce que Tormented Souls, franchement, ouais, Tormented Souls, pour moi, ça m'a toujours tenté de le faire. Écoutez, mon avis sur le run avec Aline, c'est vrai qu'on va faire plus de choses, c'est plus axé énigme. Mais il va falloir faire quelque chose de plus, on avait un poursuivant, on avait pas mal de choses. Donc, on a
à la mémoire de Marcel Demarais, ok. Edward Carnby will return. Edward Carnby reviendra. Ok. Donc, alors, du coup, écoutez, ben... Pour ceux que ça a plu, pour qui ceux que ça a plu, ben, je vous remercie d'avoir visionné cette deuxième run, hein. Et écoutez, si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce vert ou un pouce rouge, je sais plus comment ça marche. La notification, tout le quanti quanti, hein, bref, je ne répète pas ce que j'ai dit, enfin si, je répétais quand même, si ça vous... Moi je publie, c'est pour le fun, c'est pas, je suis pas à la recherche d'avoir des millions d'abonnés, des millions de vues ou quoi que ce soit. C'est, moi je publie, c'est pour le plaisir, je partage mon expérience vidéoludique, comme un joueur normal. Voilà. Et puis bah écoutez, hein, sur ces sages paroles, je vous souhaite, pour ceux qui suivent jour par jour, hein, j'espère que ce visionnage vous aura plu, hein. Et puis bah on se retrouve, pour un leur fou, hein. Allez, ciao.